Ma famille est protestante depuis à peu près 1909, à l'époque où les missionnaires suédois, et norvégiens, plutôt suédois, avaient installé la première station missionnaire au Congo, à Madzia. Voilà, alors mes parents, je les ai suivis à l'église, toute petite. C'est quand j'ai eu 42 ans que la chose m'est revenue comme une bombe. Voilà, tu te souviens, tu voulais me servir, tu voulais, bien maintenant, ça y est, c'est le moment. Pendant à peu près une année, je n'ai pas dit à mon mari que j'étudiais la théologie. Je lui ai fait croire que je faisais un stage. Il m'a fallu du temps quand même hein, pour le lui dire. Je l'ai quand même fait. Il m'a comprise un petit peu, mais ça a été lui aussi chez lui. Il y a eu une évolution. Et il a fini par être convaincu que j'étais vraiment appelée par le Seigneur. S'il y a un souvenir, un temps fort, oui, que je retiens, que je garde en mémoire. C'était après mes 42 ans, j'étais en troisième année, et j'ai fait un service d'obsèques. J'ai prêché le jour J et ensuite j'ai chanté. Et là, ça a été comme une sorte de révélation pour les personnes qui étaient là, mais pour moi-même aussi. J'ai réalisé que le chant, non seulement accompagnait mon ministère, mais c'était quelque chose qui était au même niveau que le ministère de la prédication, le ministère homilétique. C'était une autre manière de prêcher. C'était quelque part peut-être la voix de Dieu qui me parlait en disant, voilà, ta carrière est là, avec le Christ, dans la prédication, mais aussi dans le chant. Alors les doutes, oui, il y en a, et ça fait partie de la foi. Hein. Pour moi, il n'y a pas de foi sans doute. Il y a quelques années, j'ai perdu un bébé, donc tout se passait bien, la grossesse. Et puis, elle est née un petit peu tôt, à 5 mois et demi, un peu moins de 5 mois et demi, elle est née. Je l'ai vue, mais elle avait que 2 minutes. Et là, ça a été pour moi un déchirement. J'ai failli devenir folle, hein, vraiment. Il n'y avait plus, j'avais plus la notion de foi ou de doute. Il y avait plus rien. Ce sont les autres qui, à ce moment-là, m'ont porté. Mon mari, les paroissiens, donc, au niveau de la paroisse, ma famille, j'ai été portée par leur foi. Vous voyez, là, le doute avait disparu, là, tout avait disparu. Il n'y avait vraiment plus rien, c'était le terrain vague. Donc parfois, même le doute peut disparaître, ça dépend des circonstances. Et là, on est porté par la foi des autres, parce qu'on n'y arrive jamais seul. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est que après ma mort, je serai là. Je ne sais pas comment, mais je serai là. Je crois en cette capacité de Dieu à me ressusciter. Alors maintenant, pour savoir ce qu'il y a après la mort, j'en sais rien. En tout cas, je crois que Dieu fait grâce à tous les hommes, qu'ils soient croyants ou non, athées, agnostiques, peu importe. C'est un Dieu d'amour et de grâce, et la grâce est pour tout le monde.